Aujourd'hui, MakeIcy est un réseau qui compte 4 sites. Ici Montreuil, ouvert depuis octobre 2012. Ici The Camp, ouvert depuis septembre 2017. Ici Marseille, ouvert depuis octobre 2018. Aujourd'hui, en fait, on a besoin de vous pour nous développer, pour que notre communauté acquiert de nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire. Et donc, plutôt que d'agrandir les sites dans lesquels on est aujourd'hui, on a besoin d'aller dans de nouvelles régions de France qui ont des savoir-faire spécifiques, qui vont nous permettre de développer nos savoirs. On a décidé d'aller à Nantes, un site qui va ouvrir d'ici à la fin de l'année 2019, qui fera 1400 m², qui accueillera des artisans pour le bois, le métal, le textile, mais aussi le savoir-faire de Nantes lié à l'industrie maritime. On a décidé aussi d'ouvrir début 2020 au cœur du Morvan, à l'Orme. Ça va nous permettre d'intégrer dans notre communauté des savoir-faire liés à la culture et à la transformation du bois. On va aussi ouvrir à Paris, au cœur de la ville, rue Ordener. Dans une ancienne friche de la SNCF. Et ce site, en fait, va nous permettre de pouvoir augmenter notre communauté d'artisans, de designers, de concepteurs de la région parisienne, et notamment d'intégrer dans notre communauté des collectifs et des TPE de plusieurs personnes. Notre extension va nous permettre de doubler en taille, mais surtout de doubler en nombre de résidents et de pouvoir s'appuyer sur eux pour mettre en place plus de formations professionnalisantes pour pouvoir aider plus de demandeurs d'emploi et de personnes en orientation à se former au métier de la fabrication numérique, de l'artisanat, pour pouvoir vivre de leur activité, mais aussi de pouvoir acquérir aussi des compétences de conception et d'aménagement de bureaux qui vont nous permettre de développer plus de projets et donc d'apporter encore plus de chiffre d'affaires à nos résidents.